Bonjour, madame and monsieur. Welcome to the France. Wyjechaliśmy do Francji. Cześć, Paweł. Cześć. Przyjechaliśmy, moi drodzy, na konkurs dzikarzy, który organizowany jest tutaj na zagrodzie 6-hektarowej. Zagroda nie mała, fajnie przygotowana. No jeszcze nie mogliśmy tak naprawdę obejrzeć do końca, bo było zakazane. Możemy to wszystko robić tak, można powiedzieć, że zaskoczenia. Paweł, jak droga? Droga jak droga, bardzo długa, bardzo daleko, 1700 km. Bardzo daleko, ale bezpiecznie. Bezpiecznie, emocje nie pozwoliły zasnąć. Dokładnie. Także zobaczymy, co psy pokażą. Paweł przyjechał tutaj z królem z Beskidzkiego Matecznika, ja z łuską z Beskidzkiego Matecznika, w domu król zwany demonem. Tak jest, to jest demon. A u mnie Zoja. Także, no co, no dajcie dalej, zobaczymy, co tutaj psy pokażą, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że bierze udział 12 psów, są to tylko gończe lub ogary w tej grupie. Konkurs organizowany jest przez francuską grupę tutaj Amical, bodajże gończy polski czy ogar, coś w tym... Gończy polski. No, nie doczytałem. W każdym razie jest to grupa, która tutaj organizuje ten konkurs we Francji. Pan André nas tutaj mile przywitał z żoną. No i co? Czekamy dalej, czekamy na odprawę. Jeden. Tutaj numer. Czwórka. Dawaj go! Dobrze!
Daj go! Dobrze, dawaj go! Dawaj go! Dobrze, dawaj go! Dobrze, dobry pies, dawaj go! Dawaj go! Dobrze, dawaj go! Dobry pies, bierz go! Dawaj mu tam! Piesek, gdzie Wójciki? Dobrze, dobry pies. Kontynuujesz misję? Okej, dawaj dzika. Dawaj go jeszcze. Gdzie jest dzik? Gdzie masz dzika? Dawaj. Dobry pies. Gdzie jest dzik? Dawaj go! Dobry pies! Thank you.
okay, finish? No? We can go. Dawaj, dawaj, żyć! Dobrze! Dawaj go! Dawaj go, Zoja, dawaj go! Dobrze! Dawaj go! Dobry pies, tak, dobry. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Dobry pies, brawo, tak. Grej. Dobry pies, brawo, tak, mówię. Pies, brawo, ja. Yeah. Oh. Dobrze. Pokaż. Hey, it's good. No i jak? Good? Yeah. Cztery razy to znalazła. Co ty?
S'il vous plaît, on va donner les résultats de l'actu des Alpes. Ce qui s'est passé dans le parc de dessous, ça n'a rien à voir avec le concours de ferme. Okay, donc il y avait 12 chiens d'engagés. Alors, je vais laisser la parole au juge. Il va vous donner un peu le déroulement des épreuves et en même temps donner les résultats. Voilà, on va commencer par le premier, on va commencer un peu donc à l'envers parce que le reste il y a un petit peu des paroles à faire en parallèle. Le premier c'est un mâle, c'est Pepsi. Pepsi, c'est Pepsi. Ouais. Voilà. Pepsi à monsieur Étienne Robert. Un mâle qui a été lâché de suite, a trouvé, a donné beaucoup de voix. On voyait qu'elle avait de l'envie. Elle est tombée sur un bon sanglier qui est mal aussi, comme ça il fait, ça donnait un peu du gaz. Donc nous, après, on ne peut pas juger. Donc du coup, la chienne, non, ça l'a bien emmené. Le chien, on peut se faire. Le sanglier aussi, la chienne, ça l'étiquette plus en plus, elle n'a pas mordu, donc on l'a surveillé, donc on ne peut pas passer. Et nous l'avons classée première. Donc ça, c'est un mal. C'est quoi c'est un mal. C'est pas grave. Ah, 75 points. Voilà. Bravo. Après, en deuxième. Après nous avons en deuxième place à 95. Bon, ça c'est donc oui, donc sur des petits détails que nous des fois on voit, le propriétaire ne voit pas et il voit ça. Donc il y a juste 10 points de différence, c'est Luska. Luska, monsieur Cécile. Miroslav. Félicitations. Voilà. Bravo. La santé des Français. Merci. Il a pu leur donner un autocollant. Un et un René. Il a un autocollant. Félicitations, c'est bon. André. Donc la chienne, donc le même critère. Hein. C'est, c'était donc, une femelle avec pas tout à fait une femelle qui est un peu plus costaud, qui était moins. Il avait moins, donc, moins de gaz. Par contre, elle avait bien travaillé sur le petit sanglier qui était un peu donc, handicapé. Elle n'a pas mordu, c'est ce qu'on craignait. Donc, on pinçait, on est bien d'accord. Après, on ne pouvait pas trop dire s'il pinçait, si c'est mordu. Après, si ça passe une fois, pincé deux fois, trois fois, après, ça peut être mordu et après, sanglier foutu et après, c'est pas le but. Surtout que la petite, donc le personnel. Les sangliers qui gueulent dans les parcs et qui se font attraper. Vous savez que les parcs sont plus ou moins un peu sous la sellette. Si on veut éviter de faire ça, donc c'est pour ça que voilà, donc on s'y tient. Je pense que tout le monde aime bien aller au parc, au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des genres de situations, avec Facebook, des vidéos, ça peut aller très vite. Ouais. Voilà, je ne parle tout le nom, je ne parle pas tout le nom, je ne parle tout le nom, parce que pendant que j'ai un parc, on est quand même sur la sellette. Je pense que tout chasseur aime bien aller passer
mois de mars, avril, mai, promener son chien, faire plaisir, voir entre deux, trois canons. C'est pour ça qu'on évite. Après, avoir un accident, c'est pas de souci. Mais si on peut l'éviter, c'est pour ça que ce soit aux fermes ou dès que ça tire un peu des poils, donc on décompte et puis et bon, là, voilà. C'est pour ça, c'était une petite aparté. Après, le troisième, tient mal. Et le 80 points, c'est drôle. Après, nous avons une femelle, Raya. Oui. Ton propriétaire n'était pas confiant. Non, tu veux, Raya, elle était partie. Son propriétaire n'était pas confiant. Il nous a dit, ça va, comme la fille, ça ne va pas. Et au bout de 30 secondes, elle est au ferme. Elle a fait donc un joli ferme, donc elle a bien tenu. Elle a même beaucoup tenu. Le cochon ne voulait pas bouger. Alors bien sûr, nous, quand c'est comme ça, donc on intervient pas, parce qu'on laisse faire dans le chien. Après, elle a été un petit peu dérangée par les concours de la meute de l'extérieur, mais ça, bon, voilà. Elle a donc décroché, elle a retrouvé. Voilà, elle a 75 points. Merci. Bravo. Voilà. Après, alors bien sûr, ça suit tout, hein. Après, c'est que des détails, donc ça sera que des chiffres, hein, bien sûr. À 70 points, on a Macha. 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 Hein, c'est toi, André? Non, c'est toi? Macha de Charles. Voilà. Bon, la chienne, enfin, donc, elle a chassé, donc on a noté, elle avait tous les critères, donc pour prendre des points dans tout ce qu'on a vu. Elle n'a pas fait une grosse prestation, c'est pour ça qu'on passe de 95-110 à... mais bon, voilà, c'était quand même enfin, donc, plus que correct. Et nous l'avons placé cinquième. Après, c'est lequel celui-ci là ? C'est Whitney. Voilà, Whitney, une femelle aussi. Donc même critère, c'est des chiens qui ont chassé. Ils ont quand même trouvé les sangliers. Le but, c'était de trouver les sangliers. Même si le chien qui trouve déjà dans le sanglier, c'est qu'il a fait son boulot. Après, une prestation donc correcte, hein, elle a passé, elle a fait ferme, lui écrire, elle a retrouvé. Bon, c'est voilà, on a noté, sixième. Après, en septième, 50, c'est Scali. Voilà, même critère, je vais dire une petite parenthèse aussi, donc justement, donc elle était donc un peu plus jeune, elle a fait l'autre job. On a pu noter tout ce qu'on a vu, donc effectivement, on a pu noter dans tous les critères. Après, donc, effectivement, donc, je vais revenir parce qu'on est là pour faire une belle prestation. Moi, le premier, quand j'en fais, c'est pour gagner ou pour faire une belle... Et donc ta chienne, elle avait certainement toutes les qualités pour faire... Alors, une petite question, alors, donc pour faire... regarde sur la chienne, on a qualifié. Oui, bah oui. Où elle a fait tout le boulot. Elle était certainement, si elle n'aurait pas eu mordu, certainement dans les premiers. Sauf qu'après, je reviens, on s'était dit mordu, pincé. Après, on a dit pincé, c'est pas mordu. Après, on s'en sort pas. On a dit pincé. Inutile de vous dire que si elle aurait eu
extrêmement mordue et surtout on l'a laissé faire pratiquement un peu tout le long. Elle avait certainement qualité de faire mon corps soft. Non, et puis après, c'est vrai qu'on n'est pas tombé donc, sur le bon sanglier aussi. Bah oui, bon, mais c'est vrai. Après, Godillo, tu dis ? Oui. Godilla. Deux fois. Godilla, il faut qu'il fasse plus chaud. Bon, du coup, on nous a dit un petit peu donc, l'historique de la jeune chienne. C'était une chienne qui était très bien partie, c'est une T, mais qui s'est fait un petit peu bousculer une carrefour dans les parcs, où là elle est un petit peu voilà, donc retenue. Défensive. Voilà, donc on y voyait déjà même envers le propriétaire. Donc, mais sauf qu'elle a fait le job parce qu'elle a trouvé les sangliers, les amener. Voilà, elle a mis 45 points, parce qu'on avait quand même beaucoup de poids, on n'a pas tout noté. Mais comme elle a quand même fait le sanglier, elle a arrivé, elle a fait le bien. Bon, voilà. C'est bien gentil. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, donc le deuxième, on ne l'a pas noté parce qu'on ne l'a rien fait, on a mis 10 points sur le tour rappel. Et après, je reviens. Arumba la dernière. Après, je reviens. Aussi, on a eu aussi un chien locaux qui a fait une belle prestation. Je vais revenir au même discours que j'ai fait donc, à monsieur. S'il n'avait pas mordu, certainement, il était peut-être dans les pommes. Il a bien tourné après. Il mord toujours son chien. Il est comme la patronne. Voilà. Merci. Drodzy, no co, koniec pierwszego dnia konkursu na zagrodzie sześciokwartetowej. Udało nam się tutaj z Pawłem wywalczyć drugie i trzecie miejsce. Zoja zdobyła drugie, Król zdobył trzecie, także i jako stowarzyszenie, i jako my właściciele i podkładacze, tak samo mi się wydaje, że wypadliśmy fajnie. O Puchar Alp, no pierwszego się nie udało ani mi, ani Pawłowi, no ale widocznie tak zdecydowali w sędziowie, że ktoś był tam lepszy. Także co, było coś od ciebie? To we mnie, jest okej. Okay. No, ja też tak cieszymy sądzę. Się. Także jutro drugi dzień, jutro na mniejszej nagrodzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oglądajcie dalej.